Il y a un siècle, elle entrait tristement dans l'histoire. Des blancs semaient la terreur et la mort parmi la population noire. Et vous allez le voir avec Isabelle Husson et Nathalie Massard, le souvenir est toujours très douloureux. Tulsa, en Oklahoma, le lieu tristement célèbre du pire massacre racial de l'histoire des États-Unis. Tout un quartier éradiqué en moins de 24 heures. Plus d'un millier de bâtiments détruits, incendiés, 300 Afro-Américains lynchés. C'était le 31 mai 1921 à Greenwood, un quartier surnommé le Wall Street Noir, une des communautés les plus prospères du pays. We had our own banks and theaters. We had more black-owned businesses then than we do today in Tulsa, right? We had more black doctors then than we do today in Tulsa. And so, and they did that without any governmental assistance. Une réussite qui exaspère de nombreux blancs. Un banal incident ce jour-là met le feu aux poudres. Viola et Hughes, âgés aujourd'hui de 107 et 100 ans, étaient enfants. Ils n'ont rien oublié et témoignent sans relâche. I still see black men seeing being shot, black bodies lying in the street. I still smell smoke and see fire. I still see black businesses being burned. Depuis, double peine, c'est l'amnésie collective. L'épisode tabou effacé des mémoires, les descendants des victimes refoulés dans les quartiers nord de la ville et négligés des pouvoirs publics. We were taught not to even think about that, not to even do nothing. I mean, you know, hush, hush. We had to hush up and we never talked about it. Mais l'année dernière, la mort de George Floyd en mai, puis la venue à Tulsa de Donald Trump alors en campagne, ravivent les blessures du passé. This is a Negro's body. Aujourd'hui, devant le Congrès des États-Unis, les victimes et leurs descendants demandent réparation et surtout reconnaissance. I have lived through the massacre every day. Our country may forget this history, but I cannot. Tulsa attend la visite du président Biden demain pour commémorer un massacre qui résonne plus que jamais avec l'actualité.